Nous n'allons pas vous laisser partir comme ça. Si je peux me permettre, une bonne paire de chaussettes, et hop !»« On est venu, on l'a vu, il a eu dans le pouvoir du crâne ancestral Attention, vous mettez les pieds. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. Ils ont toujours raison Si je peux juste me permettre, je te ne te permets, je serai du tout. Tu vas d'abord me soigner cette mauvaise peau, et ensuite tu te permets. Hein Bienvenue dans le nouvel épisode de Si je peux me permettre, l'essentiel de l'univers geek et pop culture où on a passé du temps à bâtir un parc à thème et on a dépensé sans compter. J'ai dépensé sans compter. Sans compter en livres de poche, séries TV, BD, jeux vidéo, films et blagues de Dan. Bon d'abord, messieurs dames, bienvenue dans la nouvelle saison 2. Bravo Oh, bravo On a tenu pendant plus d'un an! an. Ah, plus d'un an! Wouh Sans s'entretuer trop! Qui l'eût <laughs> cru? Pas moi! Hein. Heureusement que nous avons eu ces petites poupées à l'effigie de nos amis pour pouvoir nous faire les nerfs lorsqu'on n'en pouvait plus. Ah, c'est pour ça que j'ai le cul qui pique régulièrement. Euh, non, ça c'est pour autre chose. <laughs> Bref, et bien sûr, autour de cette table, nous avons nos sympathiques chroniqueurs. Nous commencerons avec, vous le connaissez bien, il adore les huîtres, mais pas pour les manger, Bertrand Leroy! Merci, merci, merci. merci. Il a décroché la palme au dernier festival de rire. Nous y avons Dan Cohen. Oh, bravo. Merci, merci. Et comme euh, J'allais juste rajouter que euh, soir, tu qui pique ah. matin, doigt qui pue. C'est vrai. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une certaine constance dans les blagues et que cela n'a pas changé en dépit des vacances. Non, mais euh, eh ben non. on, on m'accuse toujours de faire les sales blagues, mais en fait, il n'y a pas que moi qui les fais non c'est moi aussi oui. et donc ce que j'aime bien c'est que personne ne va lire ce que j'ai écrit puisque personne ne regarde le script qu'on s'est fait donc je vais le dire pour moi-même tu, okay. ca tu casses le mystère tu dis qu'il y a un script hein. mais, mais non il n'y a pas sport. de script là, ouais. on, ici on fait que de l'impro tu veux dire non France... je regarde le script en plus tu vois là par exemple il pas y, pas avait... Pas... y avait écrit voilà. Bertrand bah, tu vois moi je regarde ben le script non. par exemple <rire> <Voilà>. <rire> et donc on va... en fait voilà en fait, <laughs> en fait, en fait parce que quand même il faut quand même qu'on rappelle notre MC préféré merci Gian Paolo merci bravo Bravo. Ouh, Bravo. En fait, il attendait qu'on le présente. Mais hein. oui. C'est ah, oui, la même chose chaque fois. En fait. <laughs> je m'étais fait ma petite phrase et que personne ne l'a lu. C'est ça qu'il essayait de nous dire, c'est qu'il fallait que nous on lise la et phrase qu'il avait pour préparée eux. pour lui. Et la <laughs> mienne, elle était pas. mieux. Non mais. Et en fait, le... C'était quoi la phrase à lui Eh oui, il a fini Megaman 1 et n'a jamais eu d'amis. C'est Paolo Bataglia Merci, merci, merci. Comme on peut le voir, il y a la grosse ambiance. Ah oui, ça, ça bon, euh, fuses, Saison 2, saison 2. D'ailleurs, aujourd'hui, on a eu plus de bière que de pizza. Hein Plein de nouvelles choses. Euh, en même temps, alors on a des nouvelles rubriques. On a les pizzas. Hein ouais, voilà, pas ouais. de pizza. Nouvelle rubrique, nouveau concept, euh, nouvelle résolution. Grâce à cette nouvelle saison 2, on a pu un peu faire de ouais, l'introspection, ouais. réfléchir à ce qui allait et surtout tout ce qui n'allait pas. Alors, moi, j'en ai une de résolution. Vas-y. C'est qu'on va filer encore plus de baf à Paolo quand il dit du coup <laughs> ou quand il nous coupe la parole. Euh, sans, euh, sans prévenir inopinément d'accord mais écoutez okay. très bien je pense qu'en termes de résolution aussi on aura encore plus de blagues de Dan parce que je pense qu'il a, il a bien travaillé ça pendant les vacances d'été <laughs> ah, ah mais grave <laughs> c'est ça et puis aussi, peut-être plus d'obscénité de Bertrand encore. Ah bah, <laughs> ça. Mais c'était ma phrase à moi, ça. <laughs> je vous avez remarqué, même, même les. Même je t'en prie. <laughs> Ce sont des obscénités. Et en tout cas, on a beaucoup de nouveaux concepts. Alors d'abord, je tiens ouais. à signaler qu'on a, a réussi à démarcher les, les, les grandes boîtes d'Hollywood et de ouais. France et de Navarre. Et, et on, on a magne. réussi à signer un partenariat avec Arte voilà. euh, pour une rubrique chant grégorien. Donc Bertrand, est-ce que tu veux nous décrire un petit peu plus de quoi ça parle oh. Voilà, c'est un peu ça. <laughs> Je vais te couper. <laughs> Quoi qu'il en soit, autre concept non On continue à écouter en tout cas vos recommandations, ouais. euh, et on va aussi euh, mettre dans le site web euh, la liste de tout ce qu'on a dit en termes de recours parce qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui sont revenues vers nous, deux ou trois, ou surtout peut-être euh, moi-même, beaucoup, euh, 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 <laughs> qui, euh, surtout ma mère, euh, qui me disait que c'était un peu compliqué des fois de retrouver euh, qui disait quoi. Alors j'ai dit qu'il y avait à juste titre des commentaires dans les dans les podcasts en fait il y, y a le ouais. détail du podcast avec les voilà. commentaires mais apparemment c'est pas assez donc, on oui. pourra aussi la parce, que, que... parce que les gens ils écoutent mais ça veut pas lire et voilà et, et oui donc <laughs> ça va être encore plus de boulot pour voilà. moi c'est voilà. ça <laughs> Ouais, ouais. eh ben bah écoute coup. chacun sa merde aussi alors on, a, on va faire là aussi la recommandation spéciale d'Anne donc messieurs dames euh, si vous voulez mettre n'importe quelle musique de film, de série, de jeux vidéo vous le mettez en commentaire et Dan vous le fait en orchestre symphonique philharmonique <laughs> ou, ou ou autre avec, fais... avec des chants grégoriens ma, ma avec des chants grégoriens c'est plutôt la bossa mais bon ok d'accord tu les fais tous non, mais ça, avec des gars, chants grégoriens euh, mais aussi euh, bon une... d'accord chants grégoriens une nouvelle rubrique euh, film de merde euh, les films que vous voulez recommander aux gens que vous n'aimez pas on a eu des demandes comme ça ah bah ouais mais <laughs> bah il y en a hein. non, parce qu'on parle de tout ce qu'on aime eh ben voilà on parlera aussi d'un truc qu'on n'aime pas euh, histoire de pouvoir un peu se faire rigoler plaisir. parce que quand même voilà parce qu'on a marre je veux dire dan t'arrêtes pas de faire le faux cul de dire ouais j'aime tout ce que t'aimes paolo et toi tout toi, oui. alors que t'en peux plus quoi ouais t'en voilà. peux plus il faut, il faut que ça sorte et en plus donc on, on parlait on avait déjà commencé dans la saison précédente de parler de, de, des acteurs actualité du rubrique du moment on va aussi un peu plus tourner ça aussi en termes de chronique des fois, Bertrand l'avait fait dans le dernier épisode euh, euh, j'avais fait ça moi, ouais. j'avais parlé de quoi ouais. euh, bah t'avais parlé de Netflix qui donc c'est pas que ça parler part. des choses qu'on aime mais culé. aussi euh, des... <laughs> j'aime bien les grossièretés <laughs> quoi qu'il en soit, et euh, la dernière, euh, le nouveau concept qu'on en fait, qu fait c'est qu'on va directement tourner le podcast chez vous, euh, où que vous soyez euh, vous nous mettez ça en commentaire et euh, donc Dan a des, a des miles gratuits à dépenser donc on vient chez vous <laughs> On prend un billet d'avion et, euh, et on vient chez vous en fait tourner le podcast. Mais alors, le truc, c'est qu'on reste trois semaines. Hein, voilà, c'est que... <laughs> le minimum. Ça prend trois semaines pour faire un podcast. Voilà. Hein. Et il ouais. faut nous nourrir. Et oui, ah, vous avez intérêt voilà. à avoir un frigo plein. Et euh, que... Par contre, bah, c'est pour ça qu'on a, on a enlevé la vidéo, mais on est souvent en slip. Pas <laughs> tous. On s'est content. Faut être confort. D'ailleurs, là, tout de suite. Euh... <laughs> c'est ça. Un jour, une parenthèse. Moi, ouais. je, je, je garde, garde le slip parce que sinon, sur le canapé en cuir, ça colle. <rire> <rire> mais c'est ce que tu préfères. <laughs> ouais. euh, tout ça pour dire, faut que j'ouvre une parenthèse sur euh, l'image d'ouverture de Birdman où Michael Keaton est en slip. Tu l'as vu Birdman non, non. Donc en fait je suis tout seul okay. <laughs> J'étais sûr que tu l'avais vu Regardez Birdman, c'est incroyable okay. On en parlera, c'est magistral C'est ouais. magistral et voilà, je crois que, fait, que je vu, donc j'ai l'air con. De Rubrique mouche. suivante, je propose que l'on engage dans la chronique du jour. Ok. Sponsorisée par tes chroniques. Chronique du jour, j'avais vraiment besoin de parler du Disney+. Yes et moi qui consomme... Ouais. Alors, ouais, je sais, Bertrand fait la tronche, mais alors mais attendez, parce que il y a quand même, ils ont prévu... Mais non je vais, mais... dire, je, vais... je vais dire pourquoi. Alors, tu vas le dire, mais attends, d'abord, laisse-moi dire pourquoi je suis tout content et tout, tout, tout est moussié. <laughs> la première année, quand même, il va y avoir, bon, grosso modo, 7000 épisodes télé qui vont mettre de séries, 400 à 500 films... Ça ouais. va être hyper violent. Il va y avoir toute la partie... Ah bon, c'est que des films violents Non, ça va être violent. La partie euh, Marvel, Star Wars, Pixar... Toutes les propriétés Disney. Et euh, alors, par contre, le toutes positionnement. Les oui. <laughs> toutes les propriétés. Oui, toutes les propriétés. C'est un petit et peu le problème. Orienté. Attends Laisse-moi d'abord. Laisse, attends, toujours dans l'histoire, la bonne et la mauvaise nouvelle, laisse les gens heureux avant d'être le côté cynique, sinon c'est. Ah, en fait, en fait es oui. pire que moi. Tu veux d'abord que les gens se réjouissent pour après pouvoir encore plus leur mais foutre non, le, la, la gueule dans la boue. Mais c'est mal Bah attends, bah, toi, tu. Alors, tu sais quoi Ok, tu seras interdit de prendre Disney Plus pendant une année, tu pourras pas en profiter. Ah, mais non, mais non, moi, ce que j'aime c'est râler. Ah d'accord. <laughs> ah, il va quand même l'avoir. Donc non, globalement, c'est quand même des programmes pour la famille. Donc on n'aura pas les... Je sais pas si on aura euh, les petits films d'horreur ou etc. Ah bah si Alors raison. attends, je vous dis juste ce que j'ai lu parce que j'ai quand même. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Déjà dans l'univers Star Wars. Bah oui. Donc t'as Mandalorian, les mini -séries. Ouais, ça, ça a l'air pas mal. Donc il y a temps. ça. Il y a une mini-série sur Obi-Wan Kenobi avec Ewan McGregor qui a signé. C'est ce notre cas. seul espoir. T'as une voilà. mini-série <laughs> sur Rogue One entre l'épisode 6 et l'épisode 7. Attends, Donc... attends, mais y... t'es bon, ils ont fait un film où on voit. Euh... Ça n'arrête pas. Non mais t attends, t attends, t attends, t attends, t attends, ouais. attends. Parce qu'il y a un problème là quand même avec ça. Il y avait tout dans le film quoi. Il On... y avait un début, une fin, et il meurt ouais. à la fin. Et euh... alors bon, déjà... Allez, je... Je, on sait pas qui meurt. Bah, déjà. Tu le tu sais si tu regardes l'épisode 4 de Star Wars. Alors, excuse-moi, spoiler alerte hein. bon, Quoi qu'il en soit, bah, ils vont refaire non, un truc euh, sur. On sait pas qui meurt à la fin. Euh, euh, il et ils reprennent en fait l'acteur Diego Luna. Bah, bon la Diego Luna non, comme euh, rebelle espion. Eh, il euh, est top. Hein, Cassian Diego Luna. Andor. Mais oui, mais Diego, et Diego Luna. Alan Tudyk fera la voix de K2SO. Évidemment, oui. comme bah, dans. Euh... <laughs> Comme dans, Comme dans Rogue One. oui. Mais Diego Luna mais aussi, Antidic il est dans Rogue One. Est... Et, il, et, et franchement, est il, il est bon dans oui. Rogue One, non <laughs> C'est le pilote de Serenity, <laughs> mais oui. il faisait déjà la voix de. Il est... Mais c'était le, le, meilleur, le meilleur personnage du film. C'était mais... juste pour redire Serenity. Dans Rogue One <laughs> ouais. Embêté, Bertrand. Non. Oui, le robot, c'est lui. Ouais, mais c'est pas le meilleur. Et il y a surtout la nana de Fleabag. T'avais pas aimé, toi, non Ouais. Hein, T'avais pas aimé Rogue One Si, j'ai bien aimé Rogue One. Ah, bien... Non, okay. moi non, Rogue One, One, si, One j'ai Star Wars. C'est toi qui Moi Rogue One, je me suis arrêté au bout de 15 minutes. Ah oh, putain, mais j'ai pas réussi pas, quoi. J'ai pas réussi. Je sais pas. Je vais, je vais me le, je me. Mais sans déconner, c'est le meilleur Star Wars. Mais arrive pas. Je suis sûr qu'il préfère Solo. J'ai pas encore vu. J'ai pas encore vu. Bref, et il y aura aussi Clone Wars. Donc. Rien que dans l'univers. Bon, on est d'accord qu'il y a vraiment le côté rouleau compresseur, rouleau pâtisserie pour ah bah faire... évidemment, Pour oui. étendre la petite. Euh, pour le millefeuille oui, en pâte et ils ouais, en rajoutent, mais... ils en rajoutent. Mais, 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 mais ce qu'ils ont prouvé avec Rogue One en particulier, ils ont réussi à reprendre l'univers en faisant quelque chose, un film qui était vraiment bon, basé sur l'univers, alors que c'est un, un univers assez éculé. Tout le monde disait on ne peut plus arriver à faire un truc ouais. bien avec ça et tout. Ben, en fait, si, ils ont carrément réussi à faire un truc ben là, bien. Mais là, ils vont en faire 30. Hein dans les 30 tu épisodes il y aura du bon du moins bon mais je pense qu'il y aura du bon alors attends donc là on était que sur Star Wars après t'as le Marvel Cinematic Universe là accroche toi t'as Hawkeye avec Jeremy Renner Loki Hawkeye Loki Hawkeye Vandavision là c'est avec Scarlet Witch t'as Falcon and the Winter Soldier Miss Marvel She-Hulk Moon Knight <laughs> J'ai mis, il y a aussi Kermit la grenouille, mais ce n'est <laughs> pas dans le même genre. Et il y aura et les nouvelles. Pas... Et... et pas Spider-Man. <laughs> et pas Spider-Man. Pourquoi pas On en parlera. Et on va en parler la prochaine fois. Ah, un petit ah, souci Sony-Disney, un petit contentieux là qui, qui pose et aussi. Je, je comprends. Alors après, tu auras tous les produits de Disney Channel, tu as tout le contenu national géographique qui fait aussi partie de la, bah, de la famille. Euh, et tu as attends, les Pixar. Attends, attends, attends. Je savais pas, alors faut il faut, faut qu'on rewind un tout petit peu. Je savais pas que Disney et Chanel s'étaient associés. <laughs> T'es con. <laughs> et alors, attends, moi j'ai une question. J'ai une question dans tout ça. Est-ce qu'il y a, des... Qu il y a Putain, des. elle est drôle. <laughs> Franchement, elle est bien. Franchement, j'ai trouvé ça drôle. Joli, joli <laughs> Là, franchement. On a dit que bravo. je l'améliorais. Ah ouais, euh, euh, J'espère que tout le monde note l'amélioration quand même. Là il y a du... il de la qualité. Tu disais Bertrand. Oui. Euh... Ah oh, je te dois une baffe Parce que. Qu'est-ce que j'ai fait bah, dit, du, Tu, du du tu coup... m'as interrompu. Merde. Du ah, coup. Du, du coup... Vas-y. <laughs> voilà. Là, non, le... ma question c'était, mais alors il y a des films Disney aussi Enfin, je veux dire, des films euh, Disney traditionnels Bah, il y a des longs métrages après. As... Ouais. Alors, ils vont faire des spin-off Toy Story au niveau Pixar. Putain Ils vont faire des une spin-off série... Toy Story. Ouais, ils vont faire ah, une série. En ça là, suffisait pas, quoi. Ils vont faire une <laughs> série euh, Monster, donc Monster at Work. Ah, c'est pas con ça. Donc, c'est Monster et compagnie. Et bien sûr, tous les classiques. Donc, je sais pas si vous avez remarqué, mais euh... enfin, moi, je l'ai senti par exemple. Ayant une petite fille Sur Netflix Il y avait beaucoup de Disney Avant mm -hmm. Et en fait Ils ont, ils ont tout, dit, hein. les, bah, -tout, tout est bah parti ouais. Du catalogue Disney et, euh, Du catalogue Netflix Pardon Donc ils vont les remettre bah, Ils vont tout mettre Mais Uniquement sur la plateforme ouais, ouais. Disney Plus ah. Et euh, ah. ils vont faire des reboots Ils vont faire le reboot De Maman j'ai raté l'avion Oh <laughs> <laughs> putain j'espère que vous êtes heureux, de New au musée et ils vont mettre, parce que comme ils ont Attends, acheté ouais, euh... parce que ça c'est pareil euh, la New au musée euh, c'est un concept qu'ils n'ont pas assez exploité, hein, faut le reconnaître ouais euh, il y avait encore beaucoup de choses à, à faire avec cet univers voilà. d'ailleurs je propose <laughs> bah, y je plein, propose y a plein de, je pro de pièces d'art je au propose musée. de faire le Night at the Museum euh, Expanded Universe <laughs> Non mais ça me déconne. Avec le Louvre. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Très bien, c'est Versailles. Tu peux faire le Voilà, le Musée d'Orsay. Le Musée Grévin. Rien qu'à Paris, tu peux en faire des tonnes. Le Musée Grévin, tout à fait. Non mais je pense Mais rien qu'à Paris, tu peux en faire des tonnes. un truc. C'est sans fin. Et eh, tous les ça, enfants euh... de Disney Plus regarderont ça Moi je pense voilà. que euh, dans 3 ans, on a 23 films dans l'univers cinématique. Il ne <laughs> ouais, faut pas qu'on euh, dise ça sur le podcast, il y a des de gens Mac qui vont Cap avoir l'idée, euh, qui euh, vont nous voler ah, merde Il ne faut pas. Ouais. Et comme Disney a <laughs> aussi acquis uh, 21st Century Fox, il y aura <laughs> les Simpsons. Voili voilou. Bah, écoutez, Donc euh, voilà. en fait, euh, Marge est une princesse Disney. C'est bah. un peu ça. C'est un peu ça. Et ça va, et ça va venir comme ça. Donc, euh, euh, donc, donc, il voilà, y a quand même des trucs. Euh, on va quand même se plaindre. Alors, dis-moi pour. Oui, Bertrand, dis-nous. Qu'est-ce qui se eh passe ben, Alors Dis, déjà il y a une, sur déjà il y a une plainte <laughs> complètement futile qui est que il bah, y avait une époque où il y avait un service de streaming raisonnable, c'était Netflix. Ouais. Ils avaient tout et maintenant c'est tout fragmenté et donc en fait, bah, c'est toujours pareil, on se fait toujours enculer dans cette histoire. Bah oui parce que bout <laughs> Non, du non quoi, quoi, mais attends. ils mais ont tous augmenté leurs prix. c'est toujours pareil, c'est toujours pareil. Ils ont tous augmenté leurs prix. On te vend une une ah oui, une amélioration hein. et puis après on revient au vieux système en te faisant croire que c'est un progrès. La cassette vidéo Alors, je vais prendre un exemple. Par exemple, <laughs> la <Bimio> musique. <laughs> la musique. Avant, tu vois, tu avais ta musique, tu avais tes CD ou euh, tes MP3 que tu avais été es, que ouais, ouais. de tes CD. Tu écoutais ta musique ouais. sur ton baladeur MP3. Ouais, vois, sur ton Zune. Tu... Sur ton Zune, <laughs> merci. C'est <laughs> le mot que je cherchais, sur ton Zune. Et eh, donc après, après tu vois, il y a Spotify Miga... qui arrive et qui t'offre un... un, un une... Un truc quand même pas mal, c'est que tu peux streamer tout ça. Bon, okay. tu dis ouais, c'est assez pratique, c'est bien. J'ai tout le catalogue disponible, j'ai beaucoup plus de musique à ma disposition, tout ça. Et maintenant, tu sais ce qu'ils essayent de te vendre ces enfoirés <laughs> non, Ils te vendent la possibilité d'écouter ta musique quand t'es pas connecté. <laughs> ouais, Donc attends, en fait, le... ta musique, c'est en fait, le progrès, c'est deux pas en avant, trois pas en arrière. Oui, un peu Et là, de... c'est pareil. On payait le câble avant. On avait on avait un bouquet de chaînes sur le câble. Oui, mais attends, il fallait mater. Fallait ouais, attendre 20h30 non, attends, Pour regarder ton film Non mais attends mais C'était l'équivalent de l'époque Tu vois ouais. Bon il y avait Effectivement On te vend le côté pratique ouais. Du streaming Et puis quelques années après Et eh bah ben, tu te retrouves Avec 12 services euh, Et tu payes plus cher Et euh, voilà Et donc on et se Évidemment, à évidemment tous. chaque service Se démerde pour avoir Exclusivité sur certains trucs Voilà Ce qui fait que Voilà, donc, voilà tu peux pas ça change pas, Mais ça change pas Excusez-moi Mais ça change pas D'il y a, a 10-15 ans Canal Qui arrivait le premier Sur le marché Avait des exclusivités euh, Oui mais c'est ce que, que je te dis On, on revient euh, on, ah, y en y fait, il n'y a pas ans. de progrès. Ça. Le, le ça progrès a, est marginal, y a, y a est un sur un progrès, des Il y a eu un progrès, mais le progrès s'est fait rattraper par la loi antitrust. Deux pas en avant, je trois pas, pas en arrière. Pas Et alors, le deuxième truc, le, le de deuxième ça. truc, c'est que... que Bertrand fait exprès parce qu'il deuxième... a besoin d'avoir son, son caractère hein, de cochon. Je t'emmerde. deuxième. Et le deuxième truc, c'est que. Ben voilà, c'est la logique euh, monopolistique euh, capitaliste ouais. qui veut que euh, ben, la, la marche inévitable du capitalisme et la concentration extrême et, euh, et Disney a tout maintenant. C'est vrai que Disney. Ils ont a tout. toutes les licences. Ils ont euh, Marvel, ils ont Star Wars, ils ont bah, Disney, Pixar. Euh, Qu'est-ce qu'on a cité d'autre Fox. Fox. Oui, ça fait beaucoup quand même. C est, c est, mais Disney je, pas je, je, je ne pense pas encore. <laughs> je ne pense pas que le consommateur y, y, y gagne dans tout ça. Il voilà. faut reconnaître que le contenu est globalement de qualité. Mais alors, on peut aussi parler de, justement de ça, quoi. Donc on est souvent sur des séries télé, on parle de films. Nous ouais. sommes également des êtres culturels et cultivés. Nous allons parler de livres. Et parle euh, et euh... Alors comme je ne sais pas trop lire, ce que j'aime bien, c'est que je me suis mis sur des livres audio. Ouais. Et, euh... et j'ai découvert des livres audio très sympas euh, parce qu'ils vont au-delà en fait du principe de on écoute quelqu'un qui lit le livre pour toi. Oui. D'ailleurs, c'est bien. si as... Alors, Messieurs dames, si vous avez du mal à dormir, n'hésitez pas à vous mettre des livres audio parce que un, tu déranges personne. À lire ton truc, t'as pas d'écran rétroéclairé. Tu peux lire l'histoire et en général, t'as moi... des chances quand t'étais petit, qu'on te lisait des histoires et du coup, tu t'endors plus facilement. Euh, je sais pas moi ce qui m'emmerde un petit peu avec tout ça, c'est que quand je le mets, euh, si je le mets le soir et tout, en fait, je, je, je peux effectivement m'endormir. Et tu perds. Mais après même... ça, tu, tu sais plus où t'as arrêté. C'est pour ça que tu as une fonction qui s'appelle euh, snooze l'histoire au bout de 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure. Ouais, non, mais d'accord, mais snooze l'histoire, mais voilà, tu t'endors, tu sais pas à quel moment voilà. tu t'endors. Moi ça m'arrive aussi de je m'endors et je laisse le truc tourner toute la nuit et genre je me réveille et j'entends et c'est ainsi qu'il et le la merde, j'ai passé 8 ans d'histoire. Oh, il s'auto-spoil ah, non, <laughs> <laughs> non il faudrait euh, couple, il faudrait qu'il y ait une fonction qui détecte quand tu t'endors. En fait. ouais. et, euh, et bon, et dans dans, dans le bête, monde ça. dans le monde des services de euh, des services de livres audio... Ouais il ouais, n'y en a pas des masses des masses et malheureusement ou heureusement je sais pas ça dépend comment vous positionnez le truc c'est quand même Amazon qui a un service que je trouve super bien et euh, qui bah, Audible, est Audible ouais. pourquoi tu dis malheureusement non bah, parce qu'il y a des gens qui voilà, un Amazon c'est oh Amazon c'est un, un petit peu comme Bertrand. Disney quoi c'est <laughs> c'est le, le, le diable incarné c'est le diable incarné mais ils font des putains de bons produits quoi donc comment on fait nous <laughs> Bon, mais en fait, ouais, donc le service quand même Audible, j'ai euh, beaucoup beaucoup aimé. Je faisais beaucoup de livres audio donc sur euh, ben, plein de il y a plein il y a, il y a de plus en plus d'auteurs. Moi je les fais en français par contre, je sais que Dan peut les lire en anglais. Moi ça m'agace Comment ça peut les lire en anglais <laughs> je... Moi je les lis dans la langue dans laquelle ils sont faits. Hein. Je suis un puriste. Si c'est écrit en chinois, je les lis en chinois. ne voilà. <laughs> bon, comprends, mais... ouais, <laughs> comprends rien mais. Exactement. Donc moi je faisais souvent en français. Le catalogue ouais. français il y a quelques ben, il y a un an c'est là où j'ai commencé. Ouais. Il y en avait pas des masses des masses. Il y avait il y avait Juste les plus connus, Harry Potter et puissant, des trucs ouais. comme ça. Ils ont commencé à se développer pas mal niveau Stephen King, euh, niveau Robin Hood. Stephen! <laughs> Putain, ça, ça n'a pas changé. Euh, Robin Hobb et tout ça qui s'est développé. Et là récemment, j'ai découvert un truc très sympa des euh, des ils appellent ça des, des formats omnisonores. D'accord. C'est-à-dire, ben, c'est vraiment une. C'est comme si tu regardes, si tu écoutais un film. C'est-à-dire que tu as une histoire qui est immersive. Oui. Et ce que tu entends, c'est pas un narrateur qui raconte l'histoire. Ce sont des acteurs en fait qui ouais, vont commenter. C'est un, un feuilleton radio. C'est un feuilleton radio. radio ouais. C'est le. Il y a, euh, y a, y a un, la, un peu de son. C'est signé Furax tout ça. La garder. Ouais. <coughs> et c'est très très bien. Et j'ai été étonné. J'en ai fait deux. Alors, je vais d'abord faire le premier. Il euh, y a, ils ont fait Alien. Donc, ils ont fait une série Alien qui s'appelle Le fleuve des souffrances de Christopher Golden. Et ce qui est génial, c'est que ça, c'est une histoire inédite qui se passe entre Alien 1 et Alien 2. C'est le moment en fait où as les colons qui arrivent sur la planète qu'ils appellent, qui, qui s'appelle Acheron, je crois, pour la terraformer. Dans Alien 2 de James Cameron, c'est là où tu vois euh, Ripley et des Marines qui vont sur la planète et il y a plein d'Aliens partout. Ouais. Et en fait, c'est juste avant ces moments où les, euh, d'ailleurs. C'est Prometheus. C'est quoi la suite de Prometheus Les mecs De la merde. Ah oh Bon. Oh, je... non, ça être dur. Chacun a le droit d'avoir son point de vue. Donc je ne vais pas... Euh, je peux faire une petite ronde Non une petite Attends, recog... laisse-moi finir Super vite fait. Non, tiens, faut pas dire de gros mots, vas-y. Mais tu me connais Mouille ses Je suis tout dans tout. la mesure <laughs> Quel est ta reco? Petite reco. Euh, tu, ça ça m'y fait penser parce que tu parlais de trucs qui se passaient avant. Euh, Il ouais. euh, y a le premier comique Alien versus Predator qui est là où l'idée de Alien versus Predator a, a germé. Ses origines a germé. Il est vachement bien ce truc. Quoi. Ah ouais. Ah ouais Donc en BD. Bien. Ouais, en BD c'est marrant ça regardez ça on pourra en reparler quoi qu'il en soit oui. planète appelée Acheron pour la terraformer et c'est le moment où tu vois les premiers colons qui arrivent qui sont là ils commencent à avoir des habitations ça commence avec la naissance euh, de la petite Rebecca Jordan qui est Newt qui est la petite fille dans Alien 2 je sais ouais. pas si vous vous rappelez Alien 2 je me rappelle et, euh, et c'est pas mal et <laughs> du coup bah, c'est juste avant l'épisode 2 tu vois qu'il y a euh... accessoirement Alien 2 ça s'appelle Aliens ah, je... oui oui, oui, oui. c'est vrai tu as raison voilà. Aliens et, euh, et c'est c'est le moment donc on entend c'est là où c'est bien aussi il y a la voix donc je le fais en français c'est la voix française de replay de alien mm -hmm. qu'on entend en tant qu'actrice donc il y a vraiment un côté super immersif tu et tu as vraiment l'impression d'écouter ah oui, un oui, film oui, t as, t as, tu, tu les écoutes en français voilà puis... je les écoute en français mais c'est euh, c'est très ouais. très sympa ouais. et je suis dans l'histoire et euh, oui et donc euh, le, la planète de toute façon on le voit dans aliens euh, c'est une planète qui est complètement ravagée ouais. par les éléments as des ouais. tornades des tempêtes etc et donc il euh, y, y a des scènes où les colons sont dehors ils ils essaient de mettre de commencer à mettre de l'électricité des choses comme ça et ils sont pris dans des tempêtes dans des orages t'as tous les effets sonores qui vont avec et mmh. tu, tu écoutes un film et je trouve ouais, que ouais. c'est super bien fait donc voilà donc Alien le fleuve des souffrances mmh. J'en ai fait un aussi de livre audio. Ouais. Comme ça. T'as fait quoi euh, Dune. Dune. Enfin, je suis en train de l'écouter. Parce que je veux me Premier préparer. livre ou... Ouais, le premier. Le... Ouais. Et donc, t'avais jamais lu. Euh... Bah, t'avais jamais lu Dune. Non, je La chance. Jamais lu... La chance. Je, je l'ai le livre. Je, je, je les ai, en fait, les, de Herbert. les trois originaux. Ouais. ouais. Et j'ai vu le film. J'avais bien aimé, mais j'avais trouvé un petit peu bizarre. Mais bon, voilà. Et ah, en fait, bah... le livre <laughs> est vraiment, vraiment, vraiment bien. Ouais. Le livre audio, en tout cas, est, est, est super bien. Et pareil, c'est un livre aussi un peu interactif. Mais il lit quand même. aussi. Euh, ouais, non mais c'est-à-dire ils lisent oui mais il y a un narrateur un acteur pour chaque personnage ah important. donc c'est super à et développé, en plus ouais. t'as un peu de son derrière etc mais dans l'ambiance mais et alors ça dure ça combien de temps sonore. parce que c'est un bouquin énorme de... bah, ça dure euh, quelque chose comme une vingtaine d'heures en ouais. tout ouais mais c'est ça mais et ça ce qui est cool aussi les livres audio c'est que ouais. tu, tu les digères tu prends ton temps mmh. pour les digérer tu écoutes beaucoup moins vite que tu le lis ça c'est vrai ah ouais. ouais ah bah oui ah ouais ouais, ouais. Que Moi, la, euh... la narration Moi, tu lis beaucoup il mm. y, a, y a plein de livres que j'aurais pu lire en un jour que avec la narration ça me prend ça me prend une semaine pif gadget ouais, ouais. ouais et puis prend... quand il y a une narration comme ouais. ça t'as pas envie de le mettre un, un, un et demi ah non, non c'est horrible ah non, ah non. alors ouais. ça ça c'est sacrilège déjà que tu t'es crevé le cul parce que ça, ça coûte cher ces trucs tu vas pas te le mettre en 1.5 <laughs> ah, non. <laughs> ah non ah non mais il y a l'option, hein, si ouais, vous y a voulez. Ouais. ouais, mais bon. Ah, mais c'est horrible. Mais c'est à dire, sinon, si vous, pouvez, si vous voulez écouter le podcast plus rapide, il faut nous le dire et puis nous on peut parler plus vite. Hein. C'est ah, ça, on peut le faire. Non, ça party. Party. <laughs> Putain, ça rend bien. Alors, attends, on parle livre audio. J'ai besoin de parler d'un autre livre audio que j'ai trouvé. Alors, autant j'ai aimé Alien. <laughs> non, faut qu'on. Faut que Dan redescende. Ça va, ça va, <laughs> du coup. Non, tu redescends. t'accroches au plafond là. Quand même. <laughs> va chercher un balai. Et euh, autant Alien, j'ai trouvé le concept intéressant ouais. et vraiment sympa et tout. Ils en ont fait un autre. Et là, mais c'est un mélange de méga kiff et Madeleine de Proust. Oui. oui non parce que, que j'allais crier, crier. Ah, Alien. et <laughs> <mon désolé. rire> eh bien merci de cette intervention utile. Mais je trouve que le niveau d'âne il s'est vachement amélioré depuis la saison 1. <laughs> Il s'entraîne chez lui en fait. <laughs> Putain. Donc je vais y arriver. Une Madeleine de Proust. Il euh, y a les X-Files à faire non classé. Oui. Euh, et ça revient en fait avec aussi un format omnisonore de Chris Carter. C'est une adaptation audio. C'est ultra kiffant. Alors, bon, alors moi, euh, quand j'étais petit, je m'étais fait tous les X-Files. J'avais vraiment tenu ça. J'aimais beaucoup. Et je l'ai regardé en version française. Et là, en fait, t'as la suite. C'est Ce des... la suite des X-Files. Ça se passe après la dernière dernière saison des X-Files. Mm -hmm. T'as les voix françaises de Gillian Anderson et David Ducovny. Alors, par respect, c'est Georges Caudron qui est dans le rôle de Mulder et Daniel Douette qui est dans le rôle de Scully. Et c'est, ex... enfin, tu es dans la série. C'est exactement les mêmes effets sonores. T'es es dans la même histoire. Et ça fait référence à des épisodes clés des X-Files que t'as pu avoir euh, il y a 20 ans. Mais alors. Non, en, en, excuse-moi, mais en chant grégorien. Oui, voilà. <laughs> <c> Sponsorisé <'est rire> par Arte. Oui, <laughs> <laughs> euh, non, je suis sûr qu'il oui, oui, qu y a un créneau. <laughs> je pense qu'il y a un créneau. Non mais attends, Dan, on va noter ça, on va se faire tous les trucs de séries télé en chant grégorien. Okay. Ça a On fait un medley, pas. medley grégorien. Un gros medley grégorien, ça peut le faire, ça peut euh, le faire. Euh, oui, non, j'avais une question quand même ouais. parce que X Files c'est pas le principe justement. De, les, les X Files c'est pas justement les affaires non classées. Donc est-ce est que c'est pas les affaires non classées non classées Non, c'est la suite des affaires non classées. En fait, alors pour pour l'histoire, c'est c'est le classement des affaires non se classées. Fa... Donc, à la fin, à la fin des X Files, fin, fin, fin. Ouais. fin je, je je sais même plus si j'ai vu le dernier épisode, mais bon, il doit y avoir un, une espèce de clôture où euh, ils ferment le bureau des affaires non classées de Mulder. Parce que je peux ah oui, les Il les classe. Il les classe. Mais là, il les dé-déclasse. Ah oui, donc c'est les affaires non classées, classées, déclassées. C'est ça. Avec un classeur. Ah, mais voilà, mais Putain, oui, c'est donc... compliqué. Hein. Donc ça... mais ils mettent 2-3 oh, intercalaires dans le classeur voilà. et c'est voilà. <laughs> oublié. Il euh, faut, faut mettre ta... des œillets là parce que. <laughs> c'est le bordel. Allez, hein. arrêtez les gars, là, c'est vraiment pas classe. Bref. Les X Files en livre audio, j'ai jamais écouté un truc très bien. Ils font alors, il euh, y a six épisodes et les six épisodes se suivent, font référence les uns aux autres et font référence à des anciens épisodes. Il y a notamment un épisode que j'avais beaucoup aimé à l'époque qui est avec des douves, avec l'homme douve, <laughs> la douve, c'est un espèce de gros vert. Et là, c'est un une espèce de monstre. Humain croisé euh, avec une douve, et c'était un des premiers épisodes des X-Files de la première saison qui date d'il y a 20 ans. Et ben là, ils expliquent d'où vient l'homme douve. Et t'es là, oh putain, mais c'est trop bien, j'ai jamais su d'où il venait. Coup, ouais, ouais. Alors je sais pas, ça doit faire plaisir à quatre personnes, mais j'en fais partie. J'ai beaucoup aimé. J'ai <laughs> beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. <laughs> non, mais j'écoutais, j'étais là, oh mais c'est génial et tout. Et ils refont, euh, ouais, ils refont les voix, ils font les personnages, ça avance, et il bah, va y en avoir d'autres en fait. Et, le... et c'est encore une fois le principe de euh, format omnisonore, et c'est très, très bien. Voilà. Eh bien, merci. Mais je t'en prie, et ça fait plaisir. D'ailleurs, Bertrand, bien. tu voulais parler de Good Omens. Encore, parce que j'en ai déjà parlé, j'ai parlé du livre. Exactement. Mmh. Et c'était l'idée, c'était que j'avais jamais lu le livre, et je voulais lire le livre et ensuite voir le, voir le show. Ouais. Alors, voir du coup, là, tu regardes la série. Et donc, là, on a regardé la série, et c'est très très bon. Ah bah, c'est vraiment pas. très bien. Il hein. y a le petit style décalé de Terry Pratchett, et de. Ouais, ouais. ouais, ouais. Euh, Quand euh, il euh, présente euh, au début et tout. Alors, il y a David Tennant hein, dans le rôle, du démon, Who, dans le rôle du, du démon, rebelle. Et alors, comme prévu, il est magistral, il qui est parfait. Pour moi, est un des meilleurs ouais, docteurs. Enfin, et quand, de tu sais, docteur. tu sais, quand tu dis docteur, oui, ouais, quand tu dis docteur Who, où, on le euh, connaît ça, aussi pour... ça peut être beaucoup de monde. Hein. <rire> <rire> bon, on le connaît aussi pour Broadchurch euh, et, et euh, c'était aussi le vilain dans euh, euh, Jessica Jones. Non, attends. Ouais. Pas dans Harry Potter euh, okay. saison 1. Ouais. Enfin bon, c'est un, un super acteur, et en, en démon, il est, enfin, est, il, est, il est né pour jouer ce rôle-là. Petit récap sur l'histoire, pour les gens qui n'ont pas... Alors, l'histoire, c'est l'apocalypse. Donc, euh, en gros, euh, on sait que l'apocalypse va arriver. Euh, donc il y a ces, ce démon et cet ange qui sont... Euh, ils aiment le monde, ils aiment le monde et les gens. Ils sont en fait, ils sont sur Terre depuis le début. Ouais, depuis le début, vraiment, depuis, depuis Adam et Ève. Et du coup, ils s'y sont faits au monde. Ouais. Et ils s'y plaisent vachement, <laughs> Ils, quoi. ils aiment sushi. bien bouffer, <laughs> ils aiment bien boire. Vraiment, ils aiment bien. Ils n'ont pas envie que ça se finisse. Et alors, en plus que ça se finisse pour l'éternité, quoi. Après, c'est euh, les harpes pour l'un et euh, les flammes pour l'autre, quoi. Donc, euh, ça les emmerde gravement. Et donc, ils essayent de faire en sorte d'arrêter l'apocalypse. Qui se traduit initialement par l'arrivée de l'antéchrist et tout ça. Ouais, l'antéchrist, les quatre chevaliers de l'apocalypse. Euh, mmh. tout, le, tout, le, tout, tout le tintouin, quoi. Tout ouais. est vrai, en fait. Ce qui est vrai aussi, ce sont les... Euh, les, les prophéties d'Agnès Nutter, qui est la seule prophétesse de tous les temps qui avait raison, ah. qui a fait des prophéties exactes. Désolé, et... mais alors là, ça, c'est du Terry Pratchett. Euh... Mais complètement, quoi. <laughs> ouais. et, euh, et donc, enfin, c'est marrant parce que ces prophéties sont ultra spécifiques. Ah bah oui. Et euh, il <laughs> y en a en gros une par mois qui se, qui se, qui se, qui se réalise, mais qui se réalise avec. Euh... Enfin, le truc, c'est qu'elle, elle, elle a un vocabulaire de, du Moyen-Âge. D'accord. Et euh, ces prophéties, en fait, se rapportent à des événements modernes. Et donc, enfin, il y a le décalage ah entre bah, oui, le, oui. le vocabulaire euh, ancien ouais. et l'événement. Donc, en fait, au moment où l'événement se passe, c'est là que tu comprends la prophétie. Et ça t'arrive ça en pleine gueule. Et ah, bah oui, c'était ça. C'est pas Nostradamus, quoi. Nice. <laughs> donc, c'est vraiment très bien. Très, très fidèle au livre. Hein. Donc, avoir lu l'un. Et... Et alors, quel okay. est, la... toi qui as fait les deux, c'est quoi le, le bon ordre Eh bien, justement, euh, la série euh, je trouve qu'il n'y a les les pas forcément de Bon ordre. Je pense qu'on peut, euh, peut pas spoilé. lire le livre, oui. voir la série, faire les deux, l'un avant l'autre. À mon avis, ça n'a pas beaucoup d'importance. Les deux ont leurs avantages. Euh, le truc, c'est que le style de Terry Pratchett, c'est un style complètement inimitable, ouais. qui est absolument délicieux. Décalé. Euh, euh... Et moi, Ce que, je trouve, ce que je trouve chez Pratchett, c'est que pratiquement chaque phrase est une citation. Tu pourrais l'extraire du bouquin et il y a du génie dedans. Il mm. mm. y a du génie, c'est intelligent, c'est féroce, c'est plein d'esprit. C'est vraiment une écriture, c'est un des plus grands écrivains hein, de comédie. Euh... C'est vrai. Euh... Il est encore vivant, Pratchett Non, non, il, non, est non il est mort il y a quelques années. Il a eu est... Alzheimer, ouais. un Alzheimer ouais. assez foudroyant. Ouais. Ouais. Okay. Euh, D'ailleurs, il y a une histoire à propos de ça c'est qu'il il avait. Euh... Enfin, son souhait était, euh, était le. Euthanasie. Il était, il avait défendu l'euthanasie. Il y a un documentaire sur Pratchett et l'euthanasie. Ouais. Euh, et bon, il se trouve que ça n'a pas été nécessaire puisqu'il est mort euh, naturellement. Mm -hmm. Mais euh, en fait, il voulait être euthanasié avant de perdre, de perdre ses la facultés. Boule, quoi, quoi. Quoi. Ouais. Et sur la fin, il continuait d'écrire, mais il écrivait en, il dictait en fait. Mm -hmm d'accord parce qu'il ne plus écrire mais euh... Euh, bref donc ce que je voulais dire c'est que le style de Pratchett est très difficile à retranscrire en, en vidéo ouais. mais dans Good Omens ils n'ont pas ils ont pas vraiment essayé de retranscrire son style par contre ils ont euh, ils ont adopté une sorte de... de il y a une espèce de feeling Hitchhiker's Guide to the Galaxy ouais. où il y a des, euh, des explications il y a un narrateur ouais. qui, do... qui explique en fait le... dès le début le... De la création le... du monde ouais voilà ouais. <coughs> donc il y a beaucoup de flashbacks qui en fait ne sont pas dans le Livre, mm -hmm. mais qui servent à, à retranscrire un petit peu la folie de pratchett quoi euh, et donc ça c'est vraiment bien fait Mmh. Euh, et puis il y a aussi des trucs en moins, ce qui m'a surpris parce que prendre un livre qui est, est un livre assez court, hein, il fait 300 pages, quelque chose comme ça, ouais. 350 pages à tout casser, ils en ont fait une série. Ouais. Donc ils avaient le, justement, ils, ils ont profité de ce luxe de temps qu'ils avaient en, en rajoutant des, euh, des flashbacks et des trucs comme ça. Mmh. Euh, mais par contre, ils ont retiré des trucs que je trouve assez inexplicables. Par exemple, dans le livre, il y a 8 chevaliers de l'apocalypse, ouais. <laughs> et euh, dans la série, il <laughs> n'y en a que 4. Et ah ouais, mais mais t'as toujours des choix de, de réalisation, tu peux euh, pas. Mais mais... Tu peux pas et tout mettre. Pourquoi, hein. Non, que... tu peux pas tout mettre, mais en fait, ils ont réduit le ouais. rôle des Chevaliers de l'Apocalypse et c'est un... presque dommage parce qu'ils étaient quand même vachement, euh, vachement intéressants dans le livre. Mais bon, bah, c'est un regret super que... mineur, c'est la... super à la... bien. À la, base, à la base, il y en a quatre, mais euh, j'imagine qu'il y a une raison euh, humoristique pour laquelle il y en a oui. 8 dans le livre. Oui, voilà. oui. Ouais, ouais, ouais. euh... On ne va pas spoiler, mais je, je... on va pas ah, Les mmh. quatre Chevaliers de l'Apocalypse sont des motards, il y a une histoire autour de ça. Quoi. Voilà. D'accord. Euh, Ce qui est encore une, une fois une, une prophétie qui se. Qui se révèle exact, mais avec, euh, avec, avec oui, des eh, détails modernes. Quoi. Évidemment. <laughs> je, je vais quand même souligner un truc, c'est qu'il y a eu une petite polémique autour de tout ça, hein, parce que oui. tout ce qui est religieux, il y, a des, il y a toujours des intégristes qui râlent et qui exigent la suppression du truc. Alors, il y a les intégristes qui ont exigé qu'il n'y ait pas de saison 2 de Good Omens, et je suis au regret de dire qu'ils ont gagné. Non, mais tu crois que c'est lié à ça C'est pas possible. Non, je pense que. Alors, déjà, ils avaient demandé que Netflix arrête Good Omens. C'est vrai. C'est vrai. C'était Amazon qui avait... Et Netflix, <laughs> qui avait, avait dit. Le truc. Pas de problème, on arrête Good Omens et Amazon avait dit si Netflix arrête Good Omens, on arrête Stranger Things. J'ai <laughs> trouvé ça trop marrant. <laughs> Parce que du coup, ils s'étaient plantés. Oui. Mais non, euh... mais alors évidemment le, le truc c'est que euh... Good Omens c'est fini quoi, c'était pas... fait pour être juste une, une, une mini-série. Série. Bah, non, euh, non, mais mais il a la jamais question. été prévu qu'il y ait une saison 2. Est-ce que voilà, est-ce que la fin de la saison 1 de Good Omens s'arrête à la fin du livre Enfin, est-ce qu'elle ouais. quoi... ouais, est Ouais, donc en fait, ils peuvent pas non plus bah, à part alors à part Sauf qu'il y a un des deux auteurs, Neil Gaiman, qui est toujours vivant. Hein. Et qui pourrait. Il pourrait. Surtout que, euh, apparemment, Pratchett et lui ont parfois parlé d'une suite au livre. Mais bon. Pff. Sinon, on peut toujours parler à nos contacts de chez Arte. De le refaire. Voilà. De le reproduire. Comme ça, ils peuvent, ils peuvent le sponsoriser. Ou domaine version Arte. C'était À moitié le... en allemand. Bah, en même temps, le chant grégorien serait assez pertinent. Ouais, ça passe bien. <laughs> Euh, ok bah écoutez, on va vite se dépêcher, on va parler de notre nouvelle rubrique film de merde Ah bah ouais. Oui. Film de 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 merde. ou la recommandation pour votre pire ennemi. Dan, tu voulais nous parler d'un film que tu avais adoré. Oui. Us. <laughs> Us. Us. comme anus. <laughs> oh, <mais> non, <laughs> oh, non mais sérieusement. Ami de la poésie. Non, bonsoir. Qu'est-ce hein. qu que c'est que ça? <laughs> Je peux je peux plus pouvoir censurer tous ces trucs tu... ouais, vais... C'est une merde Alors je suis pas Alors, complètement d'accord avec dire, toi Je te dis c'est quoi je l'ai vu je l'ai vu sur, euh, sur... dans l'avion Ouais Non mais c'est de Alors qui... peut-être j'étais de mauvaise humeur Mais c'est celui... on avait vu la on avait vu la, avait vu ah la bon preview Ouais Mais tu sais on Jordan avait vu Peel. la preview Ah oui ça avait l'air super a fait bien ce truc, hein. avec les... la famille qui a un qui a un double démoniaque Mais c'est il faut qu'il argumente il faut que tu argumentes la personne dit possible Alors voilà, tout est, tout est assez téléphoné. Il euh, y a visuellement... Il hey, y a assez pas. peu de scènes qui sont vraiment... Euh, genre, vraiment flippantes, flippantes. Euh, dans l'ensemble, c'est... Oui, comme, comme tu le disais à un moment, enfin, ça ferait peut-être un épisode à peu près décent de la quatrième dimanche. Vais, euh... vais je vais temporiser juste ce que tu dis. Le, le... Alors déjà, l'histoire en deux mots. Oui, alors l'histoire... C'est ce en que, gros ce a... que tu as dans l'abandon. Donc, a... Donc en gros, tu as une... Une as une famille. C'est une famille euh, qui va en vacances, je ne sais même plus où exactement, enfin bon bref, euh, dans, dans une station balnéaire, c'est euh, près, euh, près Diego, un truc comme ça où je, Ouais, enfin, moi, je ne sais pas. Euh, donc euh, ils vont à une station balnéaire pour les vacances, et en fait ça rappelle des, des mauvais souvenirs à la mer. Et donc, il y a des flashbacks où tu vois la mère qui était petite et tout, et qui allait euh, machin. Et bon, apparemment, il lui arrivait quelque chose. Et on ne sait pas trop. Et on sait pas trop quoi exactement. Et bon, il y, y a des choses bizarres qui commencent à, à, à apparaître. Bon, bref, assez rapidement, on se rend compte que cette famille a un double. et donc, par double, et... c'est-à-dire qu'au <coughs> milieu de la nuit, tu as euh, quatre personnes. Qui arrive devant la maison de la famille et euh, ces quatre personnes, c'est le double de la mère, le double du père, le double de, du petit garçon et le double de la petite fille, en voilà. mode entre guillemets démoniaque. Oui, voilà, c'est ça. Et donc, en gros, c'est. Enfin, euh, c'est assez. C est, c est... Bon, il y a un côté un peu flippant, etc. Mais en fait, on se demande où ça va, quoi. On se dit, mais d'où ça sort, d'où ça va. Enfin, c'est pas. Voilà, puis en fait, après, ça part un peu en live et chaque qui, euh, chacun essaie de se taper avec son double démoniaque enfin. voilà c'est un peu ça quoi et enfin en gros ça fait un peu matière antimatière mais au bout du compte c'est euh, franchement moi je trouve que c'est pas tellement bien développé que l'histoire et bon ouais voilà ça valait un épisode de la quatrième dimension mais euh, ouais, je trouve que le le, le Alors, film il est long quoi je, je, je qu le garde un peu plus en positif hein. il y a, le, je trouve que le, il est bien réalisé il y a une bonne non, en ah, termes de réalisation. Non, non, je ne ah, t'ai pas, pas dit en termes d'histoire. Non, je trouve que le truc est, est pas euh, dégueu. Attends, ouais, ah, mais mais tu l'as réalise... vu sur un écran de 12 cm non, non, aussi. Okay. Admettons, admettons, <laughs> mais enfin, pour moi la réalisation. Tu <laughs> voyais des pixels qui se battent. Mais <laughs> mais pour moi, pour moi, il y a <laughs> deux... non, mais c'était un bon écran en plus. Mais bon, bref. Hein, le, le... <laughs> je te rappelle, je suis testeur de, de, de classe affaires. Non, mais sérieusement, euh, les, les, euh, les... c'est pas un écran de prolétaire non plus. Voilà. Non, 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 mais sérieusement. Pour moi, le bon le job d'un directeur, il y a deux choses qui qui, qui marquent vraiment. Le, la première, c'est vraiment bon, okay, le côté visuel. À ce niveau-là, ok, pas grand chose, pas nécessairement grand chose à redire. Mais après, il y a le côté euh, gestion de l'histoire et arriver à présenter une histoire qui tient debout. Mais après, il y a un problème. Qui, euh, ouais. le, qui, le... Voilà. Et là, moi, je trouve que ça tient pas debout. Le défaut de le défaut tout, de, de c'est que l'explication de d'où viennent, on ne va pas spoiler, hein, mais l'explication de d'où viennent euh, les doubles, c'est double démoniaque. Elle est hyper foireuse genre, ah mais alors, mais hein, je ne comprenais que... pas c'est pas c'est pas po... c'est à -dire que mais pourquoi il droit... y a une explication voilà, non, parce que exactement. non mais il explique oui mais voilà mais il explique ça. non mais c'est le truc mais, il n'y a pas besoin d'explication genre de tu, trucs. Peux, tu, peux, tu peux avoir un film avec des éléments fantastiques avec des choses ouais. qui sont pas normales et naturelles mais tu dois avoir une cohérence dans cette histoire ou ouais. des éléments qui permettent de t'accrocher pour dire ok d'accord s'il y a ça là en fait ils expliquent ce, ce côté ouais. surréaliste avec des éléments plus ouais. ou moins réalistes qui tiennent vraiment pas la route voilà. et c'est ouais. pas possible. Voilà. Et c'est pour ça que ça, moi je trouve que c'est un très bon épisode de la quatrième dimension. Ouais. Mais c'est pas un film, enfin c'est oui, pas, pas au niveau d'un oui. film que t'aurais en pu en non. Dit, en faire un très bon... Si ça avait été un bon directeur, il aurait pu en faire un très bon épisode de la quatrième dimension. Parce que ça dimension. fait et si dit, le monde était blablabla bla bla. Et en fait t'as le pitch et là du coup il et développe puis, tiens, et ça passe Je vais donner un exemple, t'as vu Donnie Darko Oui. Ok, t'as vu le directeur Scott Non. Ok. Et eh ben ne le regarde pas, parce que ça va te tuer. Pourquoi il est pas bien Le mythe du ah mais c'est à chier. D'accord. Enfin, c'est euh, ah oui, ça, ça te C'est dommage, c'est un super film. Quoi. Exactement. C'est là où tu te dis ben tu vois des fois, <laughs> des fois le directeur en fait il a réussi un truc un peu par accident. Parce que là pour le coup tu te dis en fait il a réussi son film par accident quoi. Euh, Ou parce que les les producteurs étaient plus malins que le réalisateur. Voilà, quoi. ça aussi. Mmh. Ouais. Ça peut arriver. Écoute, merci, ouais, voilà. Dan, pour cette critique constructive que nous apprécions également. Oh, on en est à combien, là Donc, court de bon. 120 voilà, à regarder dans l'avion, <laughs> euh, au courant. mieux, quoi. <rire> <rire> ok, bah, écoutez, bah, merci à tous, en tout cas, de nous accompagner dans ce premier épisode de la deuxième saison de « Si je peux me permettre ». Et euh, ben bah écoute, Il merci me permettre. Merci Bertrand <laughs> et merci Dan. Merci Paolo. On oh, oui, oh, C'est gentil. Je vais me mettre à pleurer. Et euh, bah écoutez, Notre on vous remercie MC. aussi. N'hésitez surtout pas à bah justement à mettre des petits commentaires, à mettre des questions, à mettre des remarques, à demander à Dan de faire des musiques quasiment impossibles. Ça peut être assez rigolo. Ah oh bah non. N'hésitez pas. <laughs> Bon non, après, il, euh, il a relevé voilà. le défi. Challenge accepted. Et, euh, et nous, on se voit très bientôt. S'il pas, on l'accepte pour lui. De nouvelles aventures, <laughs> ça, on dira oui. Gros bisous à tous. Très bonne soirée ou bonne journée. Bisous. Ciao, ciao. ciao. Oh.